Bonjour, nouvelle balade gourmande, nouveaux horizons, nouvelles découvertes. Je vous emmène aujourd'hui en bordure de la Wallonie-Picarde, une région où on aime bien se désaltérer avec une bonne bière locale. Il y a d'ailleurs ici des brasseries qui brassent déjà depuis 6 générations. Mais cette région recèle bien d'autres richesses. J'en veux pour preuve le comptoir à la ferme que je vous emmène découvrir tout de suite. Il est situé à Braine-le-Comte. Suivez-moi, c'est parti pour une première dégustation. Bonjour Martine. Bonjour Roland. Je me trompe, il y a un petit goût de neuf ici. C'est tout neuf, oui. Mais le magasin, il est plus vieux que ça. Hein? Oui. Parce que je sais que dans la région, on vous connaît déjà depuis un certain nombre d'années quand même. Oui, depuis 96. Alors comment est-ce que cette belle aventure a commencé? Vous faisiez quoi au début, Martine? Ben, au début, moi j'ai commencé par des études en école hôtelière. Puis ben, j'ai rencontré mon mari qui était agriculteur. Mes parents étant agriculteurs aussi. Et on a décidé de faire une transformation de produits locaux. Une belle diversification, le diplôme en main. Alors, les spécialités de Martine, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on a les quiches, les matons, les glaces. Attendez, on ne va pas aller si vite. Hein. Oui. Les quiches, on les voit ici, ok. Voilà. Très belle quiche. Ça, c'est une quiche? Une quiche brocoli. Brocoli. Alors, ceci? La tarte au maton. Ça, c'est une des spécialités de la région. La tarte au maton, on la fait comment? Je vais goûter. Hein. La tarte au maton, ben, c'est fait avec du lait. Qu'on rajoute, on fait bouillir, puis on rajoute le lait battu. On laisse cailler, et quand c'est caillé, on obtient le maton. Le maton est transformé avec des œufs et du sucre, oui, qui devient la tarte au maton. Écoutez, je viens de la goûter, c'est vraiment très, très, très bon. Alors là, on a une quiche au brocoli. Vous proposez à la clientèle un grand choix de quiches, j'en vois là-bas. Mais au fait, on fait des quiches de multi-choix, forestières, multilégumes, la Lorraine classique, la tartiflette, qui est fait avec des fromages fermiers, des quiches aux légumes, la tomate chèvre. Et alors, je vois un tout petit peu plus loin, un feuilleté, là. Ça m'a l'air très, très beau. C'est quoi? C'est un feuilleté au jambon, qu'on a eu un coq de cristal en 2001. Ça doit être excellent aussi, hein? Oui. Alors, les quiches, les feuilletés, je vois après les yaourts, les fromages frais, tout ça, c'est maison. Tout ça, c'est fait avec les produits de l'exploitation. Au fait, on ne fait pas tout. Tout ce qui est fromage et fromage de chèvre, on se les fait parvenir par d'autres producteurs de la région. Ce qui permet de faire connaître vos amis producteurs chez vous. Tout à fait. Et d'agrandir notre gamme. Alors, revenons-en un tout petit peu au niveau de l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un cheptel? Vous faites les cultures encore, oui? On fait les cultures et on fait du blanc bleu. Alors, un peu plus loin, je vois qu'on a, on a de la charcuterie aussi. Ça, c'est un ami producteur aussi? Oui. Et les pains qui sont là-bas derrière, c'est un ami producteur? Non, ça c'est nous, les pains. Vous faites les pains vous-même? Oui, c'est nous. Vous avez votre four à pain, oui, vous pétrissez les pâtes? Oui, tout. Et vous faites ça combien de fois par semaine? Non, on fait ça fin de semaine, puisque le magasin est ouvert. Oui, pour le week-end. Pour pouvoir avoir le dimanche matin un bon cramique et un bon craquelin, par exemple? Exactement. Alors, je vois les tartes là-bas. Les tartes. C'est maison aussi, bien sûr. C'est maison. Et puis, il y a les légumes aussi. Les légumes, ça, c'est pas maison. Mais un ami producteur. Voilà, on travaille avec des producteurs de la région. Et alors, il y a bien sûr tout un très beau choix, je vois, d'épices, d'huile, de vinaigre. Oui. Toujours des amis producteurs. Exactement. Alors, le magasin, il est rénové depuis très peu de temps. Oui. La prochaine étape, Martine, c'est quoi? Parce qu'à mon avis, c'est pas là que vous allez vous arrêter, vous. Mais non, pas du tout. On va faire une salle de dégustation. Ça, c'est bien. Pour faire déguster les produits. Les produits locaux. Eh bien, écoutez, vous êtes bien partie, Martine. Ben, j'espère. J'ai l'impression. Un tout grand plaisir. Écoutez, merci. Je m'en vais parce que j'ai un brasseur dans la région qui m'attend. Mm-hmm. Il paraît qu'on aime bien boire les bières locales ici. Oui. À bientôt. Eh bien, bonne dégustation. Un tout grand merci. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Thank you.
Lionel. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, en rentrant dans la cour de votre bâtiment, j'ai eu un choc. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, rien qu'en voyant déjà ce superbe camion de livraison. Il date de quand ? 1929. Ça veut dire que depuis 1929, on brasse de la bière ici dans vos bâtiments ? On a démarré en 1850. Et toujours la même famille ? Votre famille ? Je représente avec mon cousin la 6e génération, ici en place à Silly. Écoutez, là, je vous félicite. Et comment est-ce que cette brasserie est née ? Par votre arrière-arrière-grand-père ? Il a démarré ici, en fait, en tant que ferme-brasserie. Donc, il cultivait les champs aux alentours de la ferme-brasserie. Oui. Et en hiver, il faisait un peu plus calme, et donc il s'est mis à faire de la bière. C'est sympa. Et cette bière était bue, alors, à la belle saison, c'est ça ? Voilà, en fait, en été, on avait les ouvriers saisonniers qui venaient faire la moisson, et on leur servait la saison de Silly. Et ils appréciaient. Oh oui, ils en consommaient entre 5 et 8 litres par jour, par personne. C'est pas mal, mais enfin, il faut dire que c'était assez physique à l'époque. Hein. Alors ici, on se trouve dans les anciens bâtiments de la brasserie, c'est ça ? Ils ne sont plus utilisés aujourd'hui, bien entendu. Non, ici, c'est l'ancienne salle de brassage qui a fonctionné pendant plus d'un siècle. Dans ceci ? Dans ces cuves, il y a des anciennes machines. Oui, je ici. Vois qu'il y a un peu de tout ça. Vous allez en faire un petit musée ? Voilà, le but, c'est d'en faire un petit musée. On va mettre un peu d'ordre là-dedans et les visiteurs pourront venir voir comment on travaillait au début de notre activité. Et on va aller voir comment on travaille aujourd'hui, maintenant, voilà. Dans les nouvelles installations. Les mêmes méthodes, ouais. Avec des nouveaux équipements. Écoutez, je vous suis, vous allez tout m'expliquer. Tout. Allez, on y va. Lionel, pour faire une bonne bière, c'est ici que les choses sérieuses commencent. Il faut quoi ? Une immense casserole, j'ai envie de dire, pour commencer, non ? Mais ça, c'est la cuve d'empattage. Hein. Oui. Et donc, dans la cuve ici, nous allons mélanger notre eau et le malt. L'eau, la qualité de l'eau, je crois que ça a de l'importance pour faire une bonne bière, non ? Ah oui, l'eau, elle vient vraiment d'ici. On puise notre eau dans les nappes phréatiques et c'est vraiment important pour les caractéristiques bien spécifiques de nos bières. Voilà. Alors, on fait chauffer l'eau. On fait chauffer ça à plusieurs paliers de température, oui. Avec le malt dedans. Oui. Et là, à ce moment-là, il y a une transformation de l'amidon qui est dans le malt en sucre. D'accord. Quand on a la bonne quantité de sucre, oui. On va séparer la matière liquide qu'on appelle le mou, oui. De la matière solide, des petits restes de malt. Donc on fait cette séparation dans la cuve filtration. Là, dans cette cuve-ci, qui est voilà. Juste derrière moi. La drèche, qui est les résidus de malt, on donne ça à un agriculteur qui nourrit son bétail. Oui. Après, le mou, on le récupère. Et on le remet dans cette cuve d'empattage aussi. Voilà. C'est ce qui se passe pour le moment. C'est ce qui se passe. Alors, et là, je vois que ça bouillonne. On arrive à ébullition. Et là, c'est le moment où on rentre le troisième ingrédient, oui. Le houblon. Houblon. Alors, rappelez-nous un petit peu le houblon. Sa fonction première dans la bière, c'est quoi ? Ben là, le houblon, il va donner de l'amertume à la bière. On a le goût amer. Voilà, c'est ça. Et donc, on va le mettre dans la cuve d'ébullition, oui. Et on va le laisser infuser pendant une heure et demie, afin qu'il donne tout son goût, son arôme. Et une fois que ce sera infusé, la cuve, à ce moment-là, elle est prête, et il faudra... Aller en fermentation. Alors, on va commencer peut-être par le houblon. Voilà. On peut y aller ? Je vous laisse mettre le houblon, tout doucement. On le fait couler tout doucement dans la cuve. Hop. Voilà. Voilà, tout doucement. Et donc, ça va infuser gentiment. Voilà, c'est la première fois que je fais de la bière. C'est pas beau, ça. Formidable. Voilà. Parfait. Donc, on laisse infuser tout ça gentiment. Et on va se retrouver quoi ? Aux cuves de fermentation, c'est bien ça ? Aux cuves de fermentation. Bien, Lionel, alors... On a quitté notre brassin. Oui. Hein, la bière continue à faire un peu son petit bonhomme de chemin un peu partout dans les bâtiments. Alors, où sommes-nous ici ? Voilà, superbe cuve. Voilà. Où sommes-nous ? On est dans la salle de fermentation. Alors. Donc, ici, le brassin arrive. Oui. Au préalable, on va mettre un peu de levure dans la cuve et on va y ajouter le mou. Oui. Et donc, à ce moment-là, la levure va transformer le sucre du mou en alcool et en CO2. Vous suivez, hein ? Et c'est là qu'on voit le CO2. On a une production de CO2 ici dans la cuve. D'accord. Toutes ces bulles, évidemment, c'est du CO2. Et quand il y a beaucoup de bulles comme maintenant, ça veut dire quoi ?
qu'il y a beaucoup de fermentation. Donc là, on a brassé hier la Silly Pils. Et donc, la fermentation vient de démarrer. Et il y a pas mal de production de CO2 au départ. Et au fur et à mesure que ça avance... Il y a de moins en moins de fermentation. Voilà. Donc, en principe, si on continue à se promener ici, on va voir peut-être moins de bulles. Oui. Même peut-être pas du tout, comme ici, par exemple. Ici, on est vraiment à la fin. Appelez, voilà, comme quelques bulles. Un petit peu. Ouais, oui. Donc là, c'est la titche, la blanche, qui est en fin de fermentation. Oui. Une fermentation en moyenne dure une semaine. Une semaine, à peu près, c'est ça. Une semaine. Et après ça, la bière est... Alors justement, quand la fermentation est complètement terminée, comme ici peut-être, là, on ne voit plus rien, on n'a plus de bulles. Hein. Là, il n'y a plus de bulles. Là, on est sur l'abbaye de Forêt et on va passer à l'étape suivante demain. Et l'étape suivante, c'est quoi, Lionel? C'est la garde. La garde? C'est là qu'on garde la bière, bien sûr. Elle va arriver là-bas à maturation. On y va? On y va. Allez. Eh bien, Lionel, nous y voici, dans la salle de garde. La salle de garde. Important. Très important. Pourquoi? C'est une étape où la bière va reposer pendant 4 semaines afin de s'affiner, s'arrondir, être prête à la consommation. C'est une forme de maturation? La maturation, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi. Alors, Bertrand, mon cousin, est en train de faire un échantillonnage. Oui. C'est-à-dire qu'il va prendre... Ici, c'est de la Super 64, notre bière ambrée. Oui. Et il va l'analyser... au labo. Elle est presque prête. On fait des analyses tous les jours. Et on... Qu'est-ce qu'elle détermine, l'analyse? Qu'est-ce qu'on lui demande à cette analyse? On mesure le pH. Oui, l'acidité, donc. Oui, on mesure la densité, la couleur, la température. On voit si tout évolue bien, comme il faut. Et à partir du moment où l'analyse est OK, ça peut partir à l'embouteillage? Embouteillage ou en fût. On va aller voir ça. On va passer devant. On va passer devant. Et puis, il est peut-être important de faire une petite analyse, nous aussi, peut-être. Petit contrôle qualité. On petite y va. Dégustation. Allez, OK, c'est parfait. Merci, Bertrand. Quand je vois le nombre de bouteilles qui sont alignées ici sur le comptoir, première question, combien de bières différentes brasse-t-on ici à Silly? On en brasse 14 différentes. Et c'est pas mal, hein? Oui, c'est une gamme assez large. On plaît à tous les palais parce qu'on a la Pils, la Silly Pils, la Bio Silly, la Petite Cheveux Blanche, la Double Anguin, la Divine, même Fruitée, Pinkiller, une bière d'abbaye, l'abbaye de Forêt. Donc, tout le monde peut trouver son bonheur. Tout ça avec une seule bière au départ, il y a 6 générations qui était la saison, finalement. La saison de Silly. Donc, on a bien évolué quand même ici à la brasserie de Silly. Alors, je ne vais pas avoir l'occasion de tout déguster, bien sûr, parce que je vais devoir partir. S'il y en avait une à déguster aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes? Je proposerais la Scotch Silly Barrel Aged. Allez, raconte-moi, dis-moi. Vieillie en fût de chêne, s'il vous plaît. Qui ont servi à produire des vins de Porto. Ouais. Et c'est notre Scotch classique a vieilli pendant 6 mois dans cette bière. Donc l'histoire de la Scotch, en fait, c'est aussi une belle histoire, parce qu'elle a été créée durant la Première Guerre mondiale, sur base de demandes de soldats écossais qui étaient en garnison ici à Silly. Et ils sont venus voir mon arrière-grand-père en lui disant « On aimerait bien une petite bière, comme on a chez nous. » Qui nous rappelle un peu notre pays. Voilà. Et on a fait ça. On a fait ça. Et depuis 2 ans, on fait un vieillissement en barrique. En barrique, et ça donne ceci. Alors ça, je vais d'abord humer ça, parce que avant de la goûter, comme un bon vin, bien sûr. Ouais. Hein. Ah ben, y a plein d'arômes là, qui se disputent. Et qui... Les arômes du Porto qui rentrent dedans, le goût caramélisé de la bière qui ressort aussi. Ça a l'air très, très, très bon. On va goûter tout de suite, hein, Lionel. Santé. C'est plein de richesse. Ouais. Un petit goût boisé aussi. C'est plein de richesse. Eh bien, Lionel, félicitations pour cette bière et puis pour toutes les autres. Merci de m'avoir fait visiter toute cette brasserie. J'étais très content de faire ta connaissance. Un tout grand merci. Bonne chance pour la suite et à très bientôt peut-être. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Benoît. Bonjour Roland. Alors, il fait magnifique chez vous, tous ces moutons, c'est une ambiance très rustique. Où sommes-nous exactement? Nous sommes à la bergerie de la ferme Frison à Gibec. Alors, vous élevez des moutons ici depuis longtemps?
Des moutons et des agneaux, surtout. Bah, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, oui. Oui. C'est moi qui ai repris le cheptel en main il y a plus ou moins 20 ans environ. Alors, quelle race de moutons aussi ? Donc, nous avons trois races de l'Île-de-France, du Vendéen et du Rouge de l'Ouest. Alors, on va reprendre ça un par un. Alors, la première race, rappelons-nous, vous dites Île-de-France. Île-de-France. Qu'est-ce que c'est comme genre d'agneau, de mouton Mouton à tête blanche avec de la laine sur tout le corps. Oui. Et donc, sa grande particularité, c'est qu'il désaisonne très facilement. C'est-à-dire qu'il agnelle en contre-saison. Ça veut dire que vous pouvez avoir des agneaux comme ça étalés sur plusieurs mois, c'est ça, si j'ai bien compris? En tout cas, grâce à la race Île-de-France, on peut avoir des agneaux très tôt dans l'année. Donc ça veut dire octobre-novembre, oui. Pour avoir des agneaux pour Pâques. Des agneaux Oui, évidemment, Pâques. Évidemment, l'agneau pascal. Tout à fait. Deuxième race Du Vendéen, ressemble fort à l'Île-de-France, et donc à tête brune, et de nouveau la laine sur tout le corps. Oui. Et il dessaisonne un peu moins fort que l'Île-de-France. D'accord. Et puis, il y a une troisième race. Je vois ici, il y avait une tête rouge quelque part. Oui. Il y a un bélier dans la bergerie, un bélier rouge de l'Ouest. Oui. Disons que le rouge de l'Ouest, sa particularité, c'est qu'il a une très bonne croissance donc au niveau des agneaux, avec des très bonnes qualités maternelles et qualités laitières des brebis. Donc, ça veut dire qu'avec ces trois races, eh bien, vous parvenez à contenter une large clientèle. Ça, c'est sûr. À mon avis. En fait, je me suis adapté au consommateur. Le consommateur veut de l'agneau toute l'année. Voilà. Donc moi, j'ai étalé ma période de production toute l'année. Donc j'ai des agnelages de novembre à juin. Alors pour une bonne viande, évidemment, la race, elle compte. Mais ça c'est important. Alors, je crois qu'on est dans un élevage bio ici. Oui, donc on est en bio depuis 97. Oui. Et en totale autonomie, donc c'est-à-dire qu'on n'achète aucun aliment du commerce, on produit tout sur la ferme, que ce soit les fourrages en foin ou en silage, ou bien des aliments concentrés, des céréales et des petits pois pour, comme source de protéines. En tout cas, on voit, ils profitent bien et ils sont bien ici. Hein. Je pense, on essaie de faire pour un mieux. Voilà. Alors, pour la vente de la viande, j'ai vu une pancarte là à l'entrée de la ferme Coprosin. Je suppose que c'est une forme de coopérative, c'est ça peut-être? Ah oui, donc c'est une coopérative d'agriculteurs du Pays Vert, de la région de Hattes, qui permet quand même de faire vivre pas mal de familles d'agriculteurs. Comme vous, bien sûr. Comme nous, bien sûr. La ferme n'existerait pas sans la coopérative, je pense. Et c'est vous qui alimentez la coopérative par votre viande et en partie, donc il n'y a pas que vous, bien sûr. Bien sûr. Et eux s'occupent de la revente. Dans leur boucherie et sur le marché public. Uniquement des moutons aussi, des agneaux, ou bien vous avez autre chose? Ben donc on produit de la volaille, donc le gros secteur de la ferme, c'est la volaille fermière, volaille paysanne, du poulet, on fait du poulet, de la pintade et des canards. Et qui est aussi, qui se vend ici via Coprosin. En fait, on va dire que 75% de la production de la ferme part à la coopérative et le reste est vendu à notre magasin ou bien à des revendeurs. Je vais vous laisser travailler là, parce qu'à mon avis, il y en a encore qui ont besoin, qui n'ont pas reçu à manger. Oui. En tout cas, félicitations pour votre élevage. Merci Roland. Il est super, continuez comme ça. À bientôt. Ça va, bon merci. Travail. Hein. Oui, ça va. Au revoir. Merci, au revoir. Dernière étape de notre balade gourmande en Wallonie-Picarde, et non des moindres, puisque nous allons passer à table, et ce mois-ci, eh bien, grâce à Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Roland. Merci de m'accueillir ici dans ce superbe établissement qui se prénomme... C'est la Clé des Champs. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, on va passer à table, mais on fait un petit arrêt facultatif ici au bar. Oui, parce que vous avez beaucoup de chance, parce que Philippe Lefebvre de la brasserie de Quenasse est justement ici pour faire une dégustation. Extraordinaire. Bonjour Philippe.
Bonjour Roland. Alors, brasserie Lefèvre de Quenast. Il me semble qu'on aime bien boire la bière dans la région et qu'on en fait depuis très longtemps, me semble-t-il. Alors, dans notre cas, en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a commencé l'activité en 1876. Ah ben voilà, une de plus. Et je suis la cinquième génération. La sixième est déjà bien, bien à l'ouvrage. Donc, quoi, c'est ancestral qu'on aime bien boire de la bière ici dans la région? Oui, en fait... C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. On vient d'une tradition brassicole. Alors, chez Lefèvre, plusieurs bières différentes. Une qui m'est servie déjà ici devant moi. Voilà. On en parle très vite. La Barbare, une bière au miel. Au miel. Oui. Pleine de douceur, alors. Pleine de douceur, mais pas écœurante. Absolument pas écœurante. Tu verras que c'est bien équilibré. Je vois un superbe verre, moi, ici. Aussi. Ça, c'est une autre bière. L'Opus. L'Opus, mariage du travail et du houblon. Opus, le travail. Pas mal. Avec... Ça, c'est un bruit sympathique. Ah, n'est-ce pas? On en revient aux anciennes fermetures de bouteilles. Quel bonheur. Mais revue et corrigée, peut-être. Revue et corrigée, remis vraiment au goût du jour avec la technologie. Excellent. Alors, l'Opus. L'Opus. Donc, une bière blonde... Oui. Que l'on sert religieusement dans son verre à pied. Regardez comme c'est beau. Voilà, une mousse très abondante. Alors, un petit verre à côté. Oui. Pourquoi? Mais tout de suite. Je suis impatient. Il ne faut pas être impatient avec ce genre de produit. J'agite un peu le fond de la bouteille pour te servir la levure. Tu vois, c'est beaucoup plus court. Ce qui permet dans un premier temps de goûter l'Opus... Sans trop de levure. Sans trop de levure. Et quoi, moins d'amertume? Là, je vois une moustache. Hein. Oui, c'est les risques du métier. Oui, mais j'aime bien ce genre de risque. Voilà. Et donc, une fois qu'on a apprécié la bière claire, on sert la levure dans le verre. C'est vrai que... Et le goût est tout à fait différent. Donc, Je remets la levure dans le verre. Voilà. Et pour la même bière, tu vois, ça se diffuse merveilleusement dans la bière et la bière va obtenir un goût différent. Allez. Donc, une même bière, deux goûts différents. N'est-ce pas magnifique? C'est tout simplement magnifique. Et je vois que Thérèse nous a déjà préparé de bonnes petites choses pour accompagner la bière. Oui, tout à fait. Ben, c'est avec des produits locaux. Donc, il y a du fromage de chèvre dans les petits cœurs là et dans ceux-là. Et ici, c'est un fromage de Théa, de Toricourt, avec un peu de salami. Et alors, ce sont des petits fromages aussi. Allons-y, Philippe. Voilà. Merci, Thérèse. Voilà. Avec plaisir. Quel sens de l'accueil. Je crois qu'on va devoir, Thérèse, laisser Philippe terminer de ranger ses petites bières. Voilà, et il pourra nous, encore on va manger. On va passer à table et tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que tu as mis à l'honneur aujourd'hui avec les produits de la région. Ok. Et on va commencer par goûter ceci. Avec plaisir. Voilà. Philippe, un tout grand merci. Bon appétit. Voilà, merci. Eh bien, après cette superbe dégustation de l'Opus de Philippe Lefèvre, il est plus que temps maintenant de goûter au petit plat de Thérèse. Alors Thérèse, quelle assiette magnifique! Voilà, c'est Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? Donc, c'est des bons produits du terroir, bien sûr. Tout à fait. C'est une cuisse de poulet désossée où je me fournis chez Dominique et Karine. C'est une boucherie à la ferme ici à Silly. Donc une volaille du terroir. Tout à fait. Et alors, bon, c'est accompagné de pommes rochers fait maison et d'une tarte à thym au chicon. Ça, c'est original. Une tarte à thym au chicon. Tout à fait. Donc on fait le sucre, les chicons, un peu d'oignon. Les chicons sont légèrement confits? Oui, tout à fait, braisé un petit peu et voilà. À mon avis, c'est excellent. Tout à fait. Et alors, il y a une sauce. J'allais le dire, d'une petite sauce qui m'a l'air bien sympathique. Tout à fait. C'est une de mes spécialités, la sauce au thym, parce que je prends le thym du jardin et voilà. Donc, je vais à base de bouillon. Et vous laissez infuser gentiment le thym. Le thym. Alors, voilà une bonne idée. Hein, et voilà, et ça donne vraiment. C'est tout simple et, tout à fait. Et très aromatique. Tout à fait. Alors, on va déguster ça. Et en même temps, Thérèse, un petit mot peut-être sur la maison, la clé des champs. D'où vient ce mot d'abord? Tout d'abord. Et depuis quand est-ce que la Clé des Champs existe ici à Bassilly? Depuis 2000. Et le nom La Clé des Champs, évidemment, a été inspiré par le nom de mon mari, puisqu'Alain Deschamps. C'est excellent. Ça se prête bien, le nom. Et alors, nous existons en chambre d'hôte depuis 2000. Et vous avez beaucoup travaillé ici dans les bâtiments? On n'a pas compté les heures, tellement on a fait de la rénovation. Oui. Alors,
Thérèse, vous allez pouvoir donner l'occasion à un couple de téléspectateurs de venir voir ce superbe décor et de goûter la cuisine du terroir. Oui, mmh. Juste avec une simple question. Voilà, qui va arriver tout de suite. Et nous, comme chaque mois, eh bien, nous aurons l'occasion de vous offrir eh bien, une superbe cocotte Le Creuset pour mitonner vos petits plats du week-end. La question, Thérèse va la poser aux téléspectateurs. Faites bien attention. Voilà, je voudrais juste connaître l'herbe aromatique qui a servi pour ma sauce. Écoutez, c'est tout simple, on en a parlé il y a 45 secondes. Vous connaissez la réponse à la question, rien de plus simple. Vous allez sur le site de la PACW et vous vous laissez guider. Eh bien, c'est ici qu'on va se quitter, une fois de plus, en dégustant ces bons produits du terroir. On se retrouve bien entendu le mois prochain dans une autre région, chez d'autres producteurs et avec un autre chef en cuisine. Portez-vous bien. Thérèse, à nous deux, on va déguster. Moi, je vais goûter la tarte tatin. Voilà, le bon appétit. Voilà, ça va aller.